Michel Bosque, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan, Gilles Feldman, soprano incandescente, bien au-delà du baroque. Alors, première question, simple, peut-être en apparence. Qui est Gilles Feldman? C'est une soprano d'origine américaine qui s'est fait connaître en Europe en travaillant auprès de William Christie aux Arts Florissants et qui a quitté cet ensemble pour mener un parcours assez atypique qui lui a donné l'occasion d'aborder des répertoires vraiment variés puisqu'elle chante aussi bien de la musique médiévale que certaines pièces contemporaines sans exception d'époque aucune et à chaque fois avec beaucoup d'engagement et beaucoup de conscience professionnelle. Et ce qui la caractérise surtout, c'est son timbre. Elle a un timbre de voix unique, reconnaissable entre tous. Et c'est un timbre que j'ai toujours admiré, donc j'ai voulu lui consacrer ce portrait. Alors deuxième question, peut-être un peu moins simple. Pourquoi justement Gilles Feldman? Eh bien, parce qu'elle elle donne un exemple d'engagement et d'intégrité. C'est quelqu'un qui est capable de dire non. C'est quelqu'un qui est même capable de claquer la porte. C'est quelqu'un qui n'aborde aucune musique sans se renseigner, sans étudier, sans approfondir, quitte à se faire coacher par des spécialistes. C'est quelqu'un qui ne triche pas et c'est devenu suffisamment rare pour être souligné.